Alexandra, devant la Tour Eiffel pour nous dire que ça y est, c'est parti pour une semaine caniculaire. Et oui, ça y est, elle arrive, on vous en parlait déjà la semaine dernière. La canicule fait bel et bien son retour aujourd'hui avec des températures qui vont commencer vraiment à s'envoler littéralement. On parle d'ailleurs d'une canicule exceptionnelle, hein, d'une intensité exceptionnelle puisque l'on pourrait battre de nombreux records de chaleur pour un mois de juin. La canicule qui fait donc son retour, excepté du côté de la Bretagne où vous avez ce matin quelques petits nuages. Dans l'après-midi, même topo en Bretagne, mais partout ailleurs déjà beaucoup, beaucoup de soleil avec justement les températures qui s'envolent. 23 degrés actuellement dans les rues de la capitale, un ciel assez laiteux, mais on devrait avoir énormément de soleil aujourd'hui avec des températures très élevées ce matin, déjà une vingtaine de degrés quasiment partout, et c'est vraiment dans l'après-midi que nous allons avoir cet air très chaud qui va remonter du Sahara. Au programme, 37 degrés à Clermont-Ferrand, 35 degrés à Lyon, 34 degrés à Dijon ou encore à Besançon et 31 degrés à Paris. Attention, ce n'est que le début puisque les températures vont continuer à grimper tout au long de la semaine. Et c'est jeudi qu'il fera le plus chaud, Alexandra. Hein, on va monter en puissance. Oui, en effet, c'est ça exactement. Plus on va avancer dans la semaine, Romain, plus on va avoir de la chaleur puisqu'on pourrait localement dépasser les 40 à 42 degrés entre les régions centrales ou encore sur le bassin parisien ainsi que sur l'est du pays. Températures qui vont s'envoler donc mercredi et jeudi a priori les deux journées les plus chaudes de la semaine. Et sachez que normalement, d'après Météo France, la canicule devrait durer au moins, jusqu'à dimanche.